Alors nous sommes à Pau et il y avait juste le prix Gary Duchesnay avec une saillie offerte de Gary Duchesnay qui a été offerte par François Thomas Aki à l'entraîneur et propriétaire du vainqueur ici, Erwan Gual. Alors Erwan Gual, il est malin. Il a récupéré la bouteille de Mont-de-Pastille en fait qui servait à caler, la pancarte. Alors Ça c'est pour ce soir. La saillie, il va falloir attendre un peu. Alors du coup, profite d'avoir. Bon, t'es content d'avoir ça, d'avoir gagné cette course déjà avec un cheval un peu tendu. Je suis très content pour plusieurs raisons et je voudrais surtout passer un gros coucou à Patrice Vagne parce que c'est son élevage et il a été très malheureux ces derniers mois et donc du coup cette victoire, j'espère que ça va lui faire chaud au cœur et voilà, je suis très content pour lui. Voilà, et c'est une pouliche qui a beaucoup de qualité et qui a encore de l'avenir. Erwan, tu es passionné d'élevage, passionné d'AQPS, tu es heureux, tu es content, tu es propriétaire. Tu vas aller envoyer une jument, bien sûr, j'imagine, à Gary. Eh ben, bien sûr, j'ai à titre personnel deux poulinières aussi, AQPS évidemment. Voilà. Donc voilà, on va savoir quoi faire de ces saillies, pas de problème. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Gary Duchesnay? Eh ben, je connaissais pas, je l'ai connu évidemment à l'entraînement chez Marcel Roland, un peu le pédigré, et on a été très agréablement surpris des premiers poulains, qui étaient physiquement très beaux, donc voilà, maintenant on a hâte de les découvrir en compétition. François, content que ce soit un entraîneur, éleveur en plus, et propriétaire du coup, qui remporte cette saillie de Gary? On a connu déjà des histoires sympathiques avec Erwan Gual, notamment Voilà de Noix à l'époque où on commercialisait le cheval, avec... justement sous la casaque, enfin tout le moins l'émulsion de Charlie Millepied. Donc ça c'était sympathique, ça a été une bonne phase de lancement. Et puis ce qui est important aussi par rapport à la gagnante du jour, c'est que je pense que la ligne du prix de Bigorre ou le prix de la Bigorre avec Belgia Queen et Joue le jeu, je pense que ça fait partie peut-être de la course référence peut-être lors du meeting. Donc voilà, il y a une ligne intéressante et puis la grande réussite d'Erwan Gual, l'homme de chaque quintet, s'il gagne au pire des cas, il fait le couplet placé ou le couplet gagnant. Donc voilà, c'est on va dire un mois et demi et jusqu'encore 15 jours. On attend de beaux résultats et de nouveaux succès. Bravo à toute l'équipe. Merci beaucoup. Donc tu vas pouvoir repartir avec ta saillie, bien sûr. Et bien sûr, la menthe pastille. Faut pas déconner. Merci. Bravo. Il faut bien dire à toutes les personnes qui écoutent qui auraient tendance à utiliser Jet 27 ou Jet 31, ce qui est bien meilleur. Et c'est fait dans le Maine-et-Loire, c'est la menthe pastille. Une parfaite digestion et dès le lendemain matin, vous êtes opérationnel. Voilà. Conseil culinaire de Maître François Thomas, vive la menthe pastille. Merci, ciao.